On va aller une seconde, s'il y a encore des questions à poser, on va aller. Mais avant de laisser poser ces questions, je vais juste en quelques fractions de seconde dire une chose. Lorsque les trois premières questions, on semblait avoir du doute sur ce que nous sommes en train de faire. Mais en réalité, ce que je vais dire, c'est que je prends l'exemple d'un paysan qui fait son champ. La sécheresse vient, le champ n'a pas produit. Mais il sait qu'il a besoin de ce champ de faire la culture pour pouvoir survivre, se nourrir. Alors c'est parce qu'il m'a dit que oui, mais le champ n'a pas produit, la saison qui vient passer, donc je ne cultive plus. Il va aller cultiver. Quelle que soit la réalité du moment, il va aller essayer. Ce que nous faisons là, aujourd'hui, nous avons une nécessité absolue de faire en sorte que le nouveau sorte de cette difficulté actuelle. Il faut trouver les bons moyens pour y arriver. Ce n'est pas parce qu'hier, il y a quelque chose qui n'a pas marché, qu'on va nous dire, oui, ce n'est plus possible. Alors si ce n'est plus possible, nous faisons quoi? Nous avons une assemblée aujourd'hui, on le reconnaît, qui est majoritaire à l'assemblée, qui a la majorité, et qui fait ce qui lui plaît. C'est vrai. Mais les autres camarades l'ont dit tout à l'heure, tout ça c'est une question de rapport de force. Lorsque demain, les populations togolaises dans leur ensemble qui veulent aujourd'hui la réforme, qui veulent un régime d'un gouvernement démocratique, réellement élu, parce que c'est le vœu de toutes les populations. Alors, comment faire pour y arriver? Quelqu'un l'a dit également dans le moment ici, seul le peuple est souverain. Tout ce que nous sommes en train de faire à l'Assemblée, les gens parlent, les gens refusent. Mais le jour où le peuple togolais dans son ensemble décidera de changer les rapports de force, de changer les données, ça changera. Alors c'est à nous, chacun doit prendre sa responsabilité. Ce n'est pas une question de ceux qui sont autour de la table. Parce que lorsque vous vous identifiez, vous qui êtes là-bas, là, comment vous allez faire? Ce n'est pas nous. Nous sommes tous dedans. Tu es dedans, je suis dedans. Qu'est-ce que nous faisons tous? Alors chacun doit apporter sa pierre. Merci beaucoup.